Dogmill jour 15! Allô? Il est plate. J'avais dit de dire bonjour Vlogmas jour 15 avec moi. Alors, c'est l'heure du Advent. Une boule jaune. Non, blanche. Alors, je vais m'habiller et je vais me maquiller avec vous, comme j'ai promis hier. Alors, ce que je veux surtout utiliser aujourd'hui, c'est ça, comme j'ai dit hier. Et je sais pas trop si ça va matcher avec mon nouveau rouge à lèvres, mais je vais essayer de vous montrer avec une meilleure... La lumière n'est pas si bonne que ça, là, mais une meilleure lumière pour que vous voyez vraiment c'est quoi la couleur. Alors, c'est sûr que j'ai pas apporté tout mon maquillage ici chez ma mère, parce que je viens juste passer quelques temps ici. Mais ce que j'ai apporté, I guess, ça peut être considéré comme mon maquillage préféré. Donc, je vais vous présenter le produit, puis couper. Comme le mettre rapidement, je veux dire. J'ai dit primer, mais j'ai même pas dit c'est quel, là. C'est le Too Faced Hangover. C'est le seul que j'utilise vraiment. Fond de teint Born This Way de Too Faced, encore une fois. Et je vais y rajouter une goutte du Sephora goutte lumineuse de teint dans le teint Morning Light. Mon concealer, mon cache-cendre de Naked. Je vais mettre le Too Faced Prime and Poreless. Too Faced, on dirait que c'est vraiment ma marque préférée de ce moment. Alors, je vais mettre ça un peu partout sur mon visage. Pour les sourcils, j'ai apporté le Brow Wiz de Anastasia Beverly Hills, Tartlet in Bloom. Puis, je vais juste créer un creux dans le creux de mon œil avec un brun mat. Je vais prendre la couleur Jet Setter. J'ai comme un peu aucune idée comment utiliser mon nouveau truc. Ça. Alors, je pense que je vais faire, c'est que je vais juste en mettre sur la paupière au complet. J'ai un pinceau juste pour faire sûr que c'est uniforme puis qu'il blende un peu avec le creux. Là, ce que je vais utiliser, je vais réutiliser, mais juste proche de mes cils. Un foncé mat, la couleur activiste, puis je vais juste créer comme un faux wing. Il sera pas noir, il sera pas liquide, là, ça va être juste de la poudre. Je vais réutiliser le même produit, mon nouveau, pour les cils du bas. Alors c'est vraiment comme un petit smokey eye vraiment rapide, genre. Le mascara. C'est le Urban Decay Perversion. Pour les joues, je vais mettre mon préféré du moment, le Tarte Seduce. Pour mon highlight, je vais utiliser mon préféré, le Becca Champagne Pop. Je vais même en mettre un petit peu sur le creux de l'œil. Sur le creux de l'œil. C'est-tu dans le creux de l'œil? Pour les lèvres, je vais essayer mon petit truc. Je pense bien que ça va matcher, là. C'est une couleur tellement neutre. Regardez la différence que ça fait, c'est quasiment minime. Mais pour un rouge à lèvres mat, il est tellement crémeux et plaisant. Ah ouais. Alors, c'est mon look de la journée. Alors, voici le look à la lumière du jour. Puis les lèvres. Ils paraissent un peu roses en ce moment, là, mais je vous jure que c'est pas aussi rose que vous le pensez. En tout cas, c'est ça le look de la journée. Là, je vais checker mon lavage. Welcome to I don't want to title this vlogmas because we're not uploading every single day. We're just gonna. Alors, j'ai encore faim. Je vais venir voir ce qu'il y a dans le frigo, là. Je veux, comme, vous raconter une histoire aussi. Je suis comme décider ce que je mangeais avant. J'aurais dû me faire une petite sandwich. Fait que la fin que je veux vous raconter, c'est juste une petite anecdote, là. Mon père, il a fait une recherche Kijiji pour acheter des œufs. Il y a beaucoup de vent dehors, puis là, la fan du four, elle a comme fait un bruit. Mais bref, ouais, il a fait une recherche Kijiji pour trouver des œufs.
que les poules sont en liberté, puis qu'ils ont beaucoup d'espace, puis sont un peu plus libres, puis je sais pas trop, là, tu sais. Juste comme que les poules soient en meilleure condition qu'ils seraient, genre, dans peut-être une industrie. Bref, bon. Fait que là, il a demandé à la madame 50 œufs. Puis 50, c'est comme tellement pas un bon chiffre pour compter des œufs, là. La norme, c'est 12, right? La madame a pensé qu'il voulait 50 douzaines. Alors, pauvre madame, quand mon père, il va là-bas, elle dit, j'ai juste réussi à en avoir 26, pas 50. 26 douzaines, OK? Fait que là, en plus que mon père, il arrive là, puis c'était même pas des très bonnes conditions, là, tu sais. Peut-être c'est meilleur que dans une industrie plus grande, une compagnie autre. Mais bref, il pensait que les poules allaient pouvoir comme se promener, puis être un peu plus libre, mais en fin de compte, il l'était pas. Puis il a acheté 26 douzaines. Il sentait trop mal pour dire non, fait que là, il les a achetées. Alors, comme on déborde d'œufs. Fait que là, il en a mis dans le vinaigre. Ma mère, ce soir, on va cuisiner des quiches, parce que ma mère, elle a un... Demain, c'est comme leur party de travail de Noël et ma mère fallait qu'elle apporte quelque chose pour déjeuner. Alors, elle va apporter plein de petites bébés quiches. Mais bref, juste pour dire, genre, comme qu'on a plein d'œufs. Moi, je tripe pas full œuf de toute manière, là, mais comme je vais prendre un petit œuf à coque là, qui a été dans un bain de vinaigre. Mais c'est fou. Sérieux? Les voilà. On s'en va faire l'épicerie parce que maman nous a laissé une petite liste. Juste vous montrer genre son humour là. La première chose qu'elle a mis sur la liste, eggs. En tout cas, hein? Elle est sérieuse? Mais elle a mis eggs entre parenthèses. LOL. Patrick Duval, c'est quoi votre chanson de coup? Est-ce que vous en avez une? Je sais pas de même. On a une liste de chansons de coup. Ouais, moi pis Cyril aussi. Comme une, c'est quoi? Banana Brains. Non, c'est pas long. Il y en a une qu'on mettait dans ce film, non? If I can have you. Ouais. You're right down the line. C'est quoi If I can have you? If I can have you! I want you. Ah ouais! Il y en a quand je suis fâchée. Ah ouais? Ben, c'est elle, votre chanson de couple, évidemment. De retour de l'épicerie. Alors, on a acheté plusieurs boîtes. Attends, je vais parler. On a acheté plusieurs boîtes de ça. C'est ça que ma mère a besoin pour faire ses petites omelettes. Alors, plein de boîtes de ça. J'espère qu'il y en a assez. On a acheté la crème. Elle voulait 15%. Les oignons, les échalotes, là. Un piment rouge. J'ai choisi celle avec le visage. C'est un peu bizarre. J'ai acheté, ben je me suis acheté un cru du clocher parce que c'est probablement un de mes fromages préférés. Et il est en spécial. Mon frère voulait une brique de tofu. Et des champignons. Si, je viens de voir qu'il y avait 1, 2, 3... 4. 4. Ok, on avait juste 4. 4 crus. Non, c'est pas vrai. Il y avait 3 crus de clocher déjà, puis ça, c'est mon quatrième. Oups. Alors, on est dans un mode cuisine ensemble, toute la famille. Voici les petits trucs pour les quiches. Mon frère et Valérie vont faire une sauce pour notre spaghetti ce soir. On va racheter des légumes à une sauce rosée en canne. Zucchini, champignons, oignons. Tu fais cuire ça.
Moi, je mets ça dans la sauce après. Ah, ok. Moi, je suis en train de faire. C'est quoi filling en français? Fourrage. Je suis en train de faire le fourrage pour une lasagne. Un peu de fourrage. Je suis en train de faire ça pour une lasagne que ma mère est en train de préparer. Puis les pâtes sont en train de. Mais l'eau est en train de bouillir pour les pâtes. Ça paraît-tu qu'on a faim? On a comme trois repas différents. Spag, sauce rosée, avec les légumes que mon frère disait. Avec le cru du clocher. Ouais, bébé, ouais. Ok, fait qu'on joue à ce qui est beau. Et regardez ça, là. J'ai trois cartes. Regardez la pile à Val. Thanks. Regardez celle à Patrick. Pat, étends-la un peu. Oh shoot. Puis ma mère. Hein? Je suis l'experte. Ils l'ont tout dit même avant qu'on commence. J'ai gagné la partie. Et les autres continuent sans moi. Et le dessert, ok, c'est un de mes desserts préférés. C'est du M&M. C'est comme le strawberry shortcake, chocolat blanc, je sais pas trop comment ils l'appellent aux fraises, là. Trop bon. Alors après ça, moi et ma mère, on va aller écouter Survivor parce que c'est la grande finale qu'il a diffusée hier et on l'a pas écouté hier. Alors j'ai vraiment hâte là parce que c'est comme une de mes nouvelles émissions préférées là. On l'avait écouté d'un début quand ça avait commencé il y a longtemps, hein? Mais ça faisait longtemps qu'on l'avait pas écouté. Puis là, cette saison, ça a vraiment été bon. Alors j'ai hâte de voir qui va gagner. Est-ce que tu veux faire... tu veux-tu faire des... quoi quand on essaie de deviner? Prémonition? Une prémonition? Non. C'est... Hypothèse, non? Comme... Une hypothèse, ouais. Qui, bon, qui tu penses qui va gagner? On va dire ça à la place. J'espère que ça va être Ken. Moi, je veux que ça soit Ken ou Jay. We'll see. On va voir. Le gagnant, c'est Adam. Trop cute. Je suis vraiment contente pour lui. Il a vraiment bien joué aussi. Là. Quand on a commencé l'épisode, il restait 6 personnes. Mon gars, Jay, est parti 6e. Ken, il s'est rendu dans les top 3 avec Adam et Anna. Mais c'est Adam qui a gagné, puis ça me dérange pas pantoute. Là. Il a vraiment fait un bon jeu de Survivor. Ouais, what are you doing? J'enveloppe un cadeau. Fait que t'as aimé l'épisode de Survivor, Alex? Ah, c'était tellement bon pis triste, j'ai pleuré même. C'est vraiment intense ce qu'ils vivent là-dessus, hein, sur l'une. Je vais me laisser y aller. Ok tout le monde, alors je vais juste prendre quelques secondes pour vous dire bonne nuit. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je me suis donné un peu plus aujourd'hui. Et j'espère que ça vous intéresse. C'est ça, je suis vraiment fatiguée. Là. Enfin, je peux même pas comme essayer de vous parler un peu. Là. Enfin, je vais juste me coucher et je vais vous voir demain. Bye!